Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc à la dernière vidéo, on était allé chercher le seul qui peut réparer les lances de feu, Tsai. Et là, ben, on revient vers le village. J'ai fait exprès de pas me montrer la forêt. Une des rares cinématiques du jeu. Ouais, c'est la cruauté incarnée, ça. De toute façon, il a trop une gueule de sadique. Ça va, quoi. Malade, quoi. Un autre perso important. Il fait bien exprès de tuer tous les habitants pour pas qu'on sache que c'est lui. Et comme vous avez vu, il essaie de nous faire porter le chapeau, donc. Ouais. Okay. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Ouais. Je vous montre ce que ça fait si on ne peut pas rester là à regarder. Vous allez voir. Voilà, il nous assomme. Ouais, c'est triste. Je vous dis, on n'a pas fini d'être surpris. En Suikoden, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même assez sombre et réaliste, quoi, parce que bon, c'est de la vraie guerre, quoi. C'est pas du 3 contre 3, hein. Comme on a l'habitude de voir dans certains RPG. Donc
là, ben, le but c'est d'amener. D'aller chercher Victor. Ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Bon, Victor. Vu les horreurs qu'il a vues, à mon avis, il est prêt à se battre. Hein. On va faire ça. Premier duel du jeu. Alors j'explique, c'est une sorte de pierre feuille ciseaux. L'attaque sauvage, balle attaque. La défense, balle attaque sauvage. L'attaque, balle à défense. Voilà, on fait attaque féroce, je fais défense. Donc j'esquive. Je l'éclate. Attaque féroce, balle attaque. Ah non. Ah si, normalement oui. Sauf que le problème c'est que c'est un taré donc il a une super attaque quoi. Enfin bon, on l'a quand même blessé. Parce que ça dépend des stats aussi. D'ailleurs dans le premier Suikoden, il y a un combat comme ça, si on veut être sûr d'arrêter son du perso, on est obligé de le gagner. Il faut avoir des super stats. Sinon il y a un de nos persos qui meurt. Hein? J'en sais rien. Faut pas déconner. Dailymotion. Je commence à avoir des sentiments pour toi. Non, je t'écris. On va y aller. Voilà. Vous allez voir comment ça marche. Plus il faut descendre ou monter. Soit il faut faire ça. Non, faut aller dehors. Vous allez voir la première bataille du jeu. Ça ressemble à du RPG tactique en fait. Vous savez, genre Final Fantasy Tactics ou Disgaea, ce type de jeu. Bon, sauf que là, il y a presque personne que je peux faire comme soldat. Allez voir, ça c'est sympa. C'est vraiment une super bonne idée. Moi, la première fois que j'ai joué, j'étais super content. Je mélange des genres comme ça. Les duels, voilà justement dans cette vidéo on voit les deux.
D'accord. J'avais pas expliqué que c'était un lion. Bon, je suis pas le seul. Son con, il faut des lumeaux en plein milieu. On va pas perdre de temps. Une armée contre une petite troupe de mercenaires, ça va pas trop le faire, mais. Stratégie, hein. Starfreeze. Alors on va les voir souvent. Hein. Voilà, donc eux, c'est les trois généraux de l'armée d'Island. Voilà, là, je vous montre un peu comment on fait. C'est automatique. Hein. Ça se déplace tout de suite, là, tout à l'heure. Alors les petites épées, ça indique qu'ils sont blessés en fait. Au bout de 2 ou 3, je crois, ben ça les tue. Pour l'instant, c'est pas moi qui joue. Hein. Là, c'est moi par contre. On va se voir. Voilà, ça m'en baisse trop d'un coup. On va pas pouvoir riposter par contre. Ridicule. Ridicule. Là on sort tout massage par contre. On a sûr c'est le premier donc il est hyper simple. Hein. Vous allez voir que ça va être moins facile. Attends. Ah et selon les généraux qu'on met et tout, ça modifie l'attaque, la défense et les capacités. Hein. Et les ruines aussi. Enfin ouais, les capacités. Et plus tard on pourra modifier la formation et tout quoi. Je vous rappelle que je contrôle que ce groupe, hein, donc les autres c'est pas moi. Critique. C'est le contrôle de Bowie. Accent, les massacres en l'air. Et voilà, première bataille gagnée. On gagne pas d'XP. Bon, déjà un intérêt d'avoir plus de persos, c'est que on a plus aussi de plus de persos pendant les phases de tactique.
Donc de nouvelles capacités, quoi. Et une deuxième attaque. Donc on est bien affaibli. Je veux rien dire. Par exemple là la musique de d'ici elle est pas terrible, terrible. Ouais, ils vont refaire un tutoriel une deuxième fois. En clair, fin de tour, voilà, c'est pour rien faire, quoi. Mais ça appelle, c'est pour qu'elle fasse à notre place. Mais ça, bon, c'est vrai. Vous avez envie de faire rapidement, faites-les ça appelle. Mais bon, il y a moins de chances que ça marche, quoi. Sauf si, bien sûr, vous avez bien organisé vos unités au départ. Bon, pour l'instant, de toute façon, on peut pas avoir. On est ce qui s'appelle dans la merde. Donc on a plus qu'une lance de feu. Et hop. C'est une bataille perdue d'avance, celle-là. Enfin, vous avez compris. Quand même, résistant. Je me demande si le terrain compte. Je crois pas, mais. On dirait pourtant. Tu vois les petites animations. Quoi. C'est vrai que là quand on voit ça, c'est vraiment limite jeu de NES quoi. Ah, de Super NES. Le pire c'est qu'on résume bien quoi. Limite Spookane. Rappelle toujours que c'est pas moi qui joue là. Je contrôle que l'unité au dessus. Bon, plus tard bientôt, plus tard bien sûr. Je l'ai bientôt. Donc on contrôlera toutes les unités. On est mal. On est dans la merde. Thank you.
Aïe aïe aïe. Je crois que je suis con, j'aurais dû m'enculer, ils vont m'entourer, ils vont me massacrer. Oh non. Genre comment ils combattent. Ils chargent, ils vont de l'autre côté. Je pense que Lucas il combat même pas. Il aura pas besoin en même temps. Putain. On s'est massacré. Vous inquiétez pas, c'est normal, on est obligé de perdre. Parce que là, je crois pas que ça dépend des stats par contre. Je suis presque certain d'ailleurs. Voilà, condamné à s'enfuir. Voilà, et donc je vais vous. Vous allez voir le destin de nos deux jeunes compagnons à la prochaine vidéo. Allez, salut !